Welcome back to AGDQ 2015. Donc là c'est bon, on est parti. Le temps que ça s'affiche chez eux, mais surtout vif chez eux. Ouais. On ne sait jamais. Once again, this is Awesome Games Done Quick. Games Done Quick's event held every year in January featuring members of Speed Demo's Archive and Speedrun's Live Communities. SDA proudly hosts okay, bah, pas de souci. 1,000 games with forums containing speedrunning planning and marathon discussions. SDA welcomes gamers old and new alike. You can follow them on Twitter at SDA Speedruns or visit the website at speeddemosarchive.com. We still have a couple donations. $5 from Herman Sill. The answer is nanomachines, son. Also, save the animals. We need save the animals percent for Super Metroid. Thank you, Anonymous, for a $25 donation. Glad to see Platinum getting a little love this year. Bayonetta next GDQ? Thank you, Kakalakin, for your $50 donation. I've been watching for the past 3 years, but this is the first time I've been able to catch you all live. My mother passed from breast cancer in 1998, and when I was 8, video games helped me get through some tough times. Since we're all about saving people here, save the animals, kill the frames. Thank you, Shiori Yusaki, for your $50 donation. Thanks, AGDQ, for doing this every year for a good cause. It's always admiring how much knowledge, stamina, and effort the players put into their runs. It's insane. And thanks for the ones who helped the stream runs and announcers. Shoutouts to the Team Liquid community. Thank you, Manny, for your $50 donation. Shout out to the Geekbox community for telling me about this awesome event. And don't forget, we have lovely sponsors. Tiny Build Games is an indie developer morphed into an indie publisher. They partner up with indies across the world to help better their games as well as develop games themselves. Check them out at tinybuild.com and check out their game speedrunners available at the HGDQ 2015 Humble Bundle. Since 2015, World 9 Gaming has been the premier computer and console gaming provider for events across the Midwest. With dedicated staff, tournament expertise, and an expansive collection of games and consoles, they guarantee the best gaming experience at the lowest cost for all events, large and small. Check them out at world9gaming.com. Turtle Beach transforms your gaming world with a selection of cutting-edge technologies, creating a product that completes your high-definition gaming experience and puts you a step up on the. Voilà, on est parti donc pour une run de Golden Eyes, que je vais prononcer avec ma manière très personnelle de dire Golden Eyes, parce que j'aime bien rajouter des S pour rien dans les mots anglais. Et je vais essayer d'apprendre à respirer. Donc voilà, là je suis tout seul. Peut-être que Crapaud me rejoindra en cours de run. Il devait être là, mais il a des contraintes d'horaire assez particulières, donc peut-être qu'il sautera au vol tel. Je sais pas, t'as une hirondelle et arrivera en plein milieu, ou peut-être qu'il ne viendra peut-être jamais. Dans ce cas-là, je lui rends hommage. Donc là, on va partir pour un bloc assez intéressant, puisqu'on va partir pour Golden Eyes d'abord et Perfect Dark ensuite. Golden Eyes, ça sera une race à 4, ou 3, ou là, pour l'instant, ils en fichent 4 écrans, donc je pense qu'on est parti pour une race à 4 quand même. Entre 4 des membres les plus connus de la communauté The Elite, qui est une des plus grosses communautés de speedrunners sur Golden Eyes, qui est un jeu qui se speedrun un peu depuis le début de l'existence de ce jeu-là, puisque c'est un jeu qui avait la particularité, à chaque fois que vous finissiez un niveau, de vous donner votre temps et votre performance totale. Et évidemment, c'était déjà à l'époque, on prenait des photos de nos écrans pour montrer à nos copains qu'on a fait tel niveau plus rapidement que d'autres. Les deux runs, que ce soit Golden Eyes ou Perfect Dark, seront en difficulté agent, c'est-à-dire les difficultés les plus simples, donc ils ne vont pas forcément beaucoup galérer à niveau difficulté. On est vraiment là plus pour la performance, on essaie le plus vite possible de traverser les niveaux à la vitesse de la lumière, et c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de
pas difficile, mais quand on doit commencer à mélanger plusieurs tricks pour pouvoir gagner du temps un peu tout le temps, ça commence déjà à devenir un peu plus technique. Donc là, on a 4 écrans. Donc j'attends le nom des speedrunners parce qu'en fait, il est indiqué nulle part. Alors il y a des rumeurs qui indiquaient qu'on trouvait peut-être le recordman du monde sur le niveau street ou plein de gens comme ça. Ça pourrait être déjà très intéressant de voir quelques recordman se tirer la bourre sur GoldenEyes. Right, ensuite, on aura Perfect Dark. Les deux jeux étant très intimement liés, puisque les deux sont sortis sur Nintendo 64, les deux sont des FPS emblématiques de la console, faits par le même studio, c'est-à-dire Rareware, ce studio anglais qui a fait la très très bonne. Une des meilleurs investissements Nintendo à l'époque Nintendo 64, puisque c'est ce studio qui a donc produit GoldenEyes, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini, Conker's Bad Fur Day, Blast Corps, enfin j'en passe, et des meilleurs. C'est vraiment un studio qui a eu dans les années 90 vraiment sa grosse période de gloire. Aujourd'hui ils font les jeux Kinect, mais ce n'est pas grave, il reste encore Free Radical qui faisait les thèmes Twitter et qui est mort. Donc voilà, je viens de m'auto-déprimer, il ne faut pas en arriver là. Donc voilà, on attend que le jeu se mette en setup. Donc une race, je rappelle très vite le principe d'une race, hein, ça va être d'aller le plus rapidement possible, de finir, comme c'est une course, de finir le jeu le premier, donc de se faire tous les niveaux en agent. Alors je sais pas si dans les races en question ils font les deux derniers niveaux bonus, c'est-à-dire Aztec et Égyptienne. On va vite le découvrir, hein, mais ça devrait aller assez rapidement et ça devrait pas être très simple à commenter, puisque là on a 4 écrans à suivre simultanément, messieurs dames. Ça va être un peu un baptême de feu. Donc alors pour speedrunner le jeu, il y a une technique très simple, hein, que vous allez voir fréquemment tout au long des aventures. Ça va être de regarder le sol et de se déplacer avec les touches latérales, les touches C, les touches jaunes de la manette 64, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et se déplacer sur le côté. Au lieu d'utiliser le stick analogique normalement, on va utiliser plutôt les touches C pour pouvoir aller beaucoup plus vite, ce qui sera bien plus pratique. On va regarder le sol pour pouvoir que le jeu aille plus vite, sinon il a trop de choses à afficher, il rame un peu, ça nous fait perdre des millièmes de secondes ici, des centièmes là, peut-être même une seconde entière ici, parce que c'est un jeu évidemment de 1997, donc pas forcément optimisé au poil près. C'est un jeu qui a eu un développement très intéressant, puisque c'est Nintendo qui avait acquis la licence GoldenEyes, qui savait pas forcément quoi en faire, qui Rareware l'a obtenu. Ça devait être un jeu Super Nintendo, ça devait être ensuite un jeu d'action normal sur Nintendo 64, c'est devenu un FPS un peu au hasard. Le mode multijoueur assez emblématique avec ses parties à 4 a été rajouté dans les derniers mois du développement. Pour l'instant, on a deux noms de touches en as, les quatre sont là. On a Big Boss Man qui nous fera tout à l'heure Perfect Dark, qui là, il fait le déplacement. On a Omon Rice, on a Ryan Lockwood, on a Woda HSR, donc c'est vraiment quatre gros noms de la communauté GoldenEyes qui ont leur beau t-shirt The Elite, hein, histoire d'être bien corporate comme il faut, hein, The Elite, le site des speedrunners de GoldenEyes, ce qui va être assez... ce qui prouve un peu que c'est des gens qui sont quand même très impliqués dans ce jeu, qui ne font que ça. Maintenant, on va dire que depuis 20 ans, Big Boss Man, par exemple, en sortie de GoldenEyes ou de Perfect Dark, n'est pas forcément connu sur d'autres types de jeux, sur d'autres grands noms. Effectivement, on cite également Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing, donc j'ai l'impression que tous les jeux Rareware étaient à cet AGDQ. Sauf évidemment Jet Force Gemini, parce que tout le monde oublie Jet Force Gemini, ce qui me rend un peu triste au fond, mais ce n'est pas dramatique non plus. Il y avait Star Fox Adventure sur GameCube, qui était le dernier jeu GameCube, enfin le dernier jeu Nintendo Rareware, mais ça, encore une fois, on avance un peu dans les âges. Il y avait Killer Instinct sur Super Nintendo, que des bonnes choses. Donc oui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un bon décalage quand même sur le Twitch. Là, je reçois vos messages. Enfin, vous réagissez à mes propos d'il y a 2 minutes. On va quand même essayer malgré tout de garder une interaction bien comme il faut. Donc oui, le jeu est en japonais pour une raison très simple. C'est évidemment moins de dialogue à afficher. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc c'est beaucoup plus simple. Crapaud aurait été là, il aurait pu vous-même vous dire ça beaucoup plus de manière détaillée. Mais Crapaud... te rend hommage encore une fois. Donc là, on attend une fois que le setup se mette en place. Il y a 2 écrans sur 4, ce qui est pas mal, hein, pour un setup de la GDQ. Ils vont assez vite pour une fois. Donc on attend, ils attendent tous un peu l'expectative. 3 écrans sur 4, et on y est presque, hein, bientôt la confirmation. GoldenEyes qui ensuite a été développé, enfin c'est un nom qui a pas mal marqué les gamers d'une grande époque, une des meilleures. Quand on vous demande un bon jeu, un bon jeu à licence adapté d'un film, on parlera toujours de GoldenEyes. Mais le jeu a tellement été emblématique que du coup derrière, plein de jeux ont réutilisé le nom GoldenEyes. On a eu par exemple GoldenEyes Service du Mal sur GameCube, PS2, Xbox, qui n'était pas terrible. Et on a eu GoldenEyes Reloaded,
sur Wii, Xbox 360 et PS3 qui réutilisent plus ou moins le moteur de Call of Duty pour en faire un jeu GoldenEye qui n'est pas forcément qui n'est pas pénible à jouer mais qui trompe un peu son esprit. Enfin, on a du mal à retrouver l'esprit GoldenEye et ça nous rend un peu triste. Mais le jeu lui-même était plutôt fun, pas super intelligent non plus, mais il faisait son affaire si on le trouve d'occasion à 20€. Par contre, payer le prix plein pour GoldenEye 007 sur Wii et plus de 360 et PS3, c'était compliqué. Il y a eu pas mal de rumeurs qui disaient pour un remake HD de GoldenEye, mais comme Nintendo possédait les droits à l'époque du jeu et qu'ensuite Activision les a rachetés, c'était assez compliqué le jeu, et finalement je me sortis, on sait jamais finalement si ça sera plus qu'une légende urbaine, si c'était vraiment un jeu bien prévu. Je me sens obligé d'intervenir. Si oui, je disais peut-être des bêtises, hein, parce que j'utilise le mot Pédia, c'est-à-dire tout dans ma tête. Non, et... c'est pas ça. Ne parle pas trop de remake, je te rappelle qu'FF7 arrive bientôt, ne me l'échauffe pas trop maintenant. Oh, désolé, Vietnam flashback là. C'était juste cette intervention, voilà, je fais veto. T'étais à la conférence Sony et... Non. Moi, tu l'as vu. La version stream. Ah bah les 4 écrans sont là. Donc là ils vont. Bah pourquoi pas. Allez c'est parti. Mamie va nous rejoindre. Alors les visages, on voit un très beau visage en gros plan en haut à gauche et faut rappeler que dans GoldenEye et Perfect Dark, les visages modélisés sont ceux des développeurs de Rare. Dans la version XBLA de Perfect Dark, il y a même le visage de Peter Molyneux qui apparaît de temps en temps, donc un guest star de choix. Hein. On peut donc parfois trouver des frères jumeaux Peter Molyneux dans les niveaux, on peut même tuer les jumeaux Peter Molyneux, ce qui est très bizarre dit comme ça, et ce qu'il ne faut absolument pas faire, parce que le pauvre Molyneux, c'est une personne très sympathique, qui rêve beaucoup, hein, mais il ne mérite pas un tel sort. Mais Rareware est un studio anglais avec beaucoup d'autodérision, et le fait de se placer dans leur propre jeu est une sorte de petit clin d'œil assez amusant. En plus, évidemment, des modélisations des acteurs du film, c'est-à-dire on retrouve Pierre Brosnan, on retrouve Shin Bin qui meurt deux fois dans ce film, hein, rappelons-le, histoire d'être bien, de respecter un peu sa légende, la légende Shin Bin. Hein, là, ils s'entraînent un peu de leur côté, ça a l'air de tourner, pas de soucis a priori, on va pouvoir pas tarder à commencer. Alors oui, je dis quand même Golden Eyes, alors je sais pas pourquoi je rajoute un S, mais je le fais automatiquement, c'est un tic que j'ai ramené quand j'étais gamin, et j'ai du mal à m'en débarrasser, c'est comme dites-moi de me prononcer URSSS, et je suis incapable de prononcer correctement, et je suis incapable de savoir pourquoi. Donc je vais dire GoldenEye pendant tout le reste de la run et j'en suis désolé mais ça me prendrait 3 secondes à chaque fois avant de le prononcer pour faire l'effort. Et dans une race comme ceci, c'est assez compliqué donc pour dire GoldenEye, mais GoldenEye, je sais plus. Prononcer l'anglais a toujours fait grand plaisir à mes profs d'anglais qui avaient droit à des crises de rire assez... qui prenaient le reste du coup, hein, c'était assez sympa. Donc, coucou à Momo. Ah, coucou. Voilà, et coucou le chat. C'est la strate un petit peu d'angoisse, j'avais pas vu que c'était une race. Non, oui, c'est une race, des gens sur le chat en train de demander pourquoi il y a 4 écrans, mais c'est bel et bien une race, donc les 4 vont devoir terminer le niveau en agent de manière la plus rapide possible. Donc ça va être assez intéressant. Là on voyait Shin Bin, l'espace de 2 instants, qui jouait Alec Trevelyan dans le film, avec les autres personnages, Orumov, Xenia, elle-même jouée par femme que Jacen, qu'on retrouvait derrière dans les séries comme Nip Tuck. Je sais pas pourquoi je me souviens de Nip Tuck pour elle après derrière, mais c'est peut-être mes plaisirs personnels. Oui, c'est Femke Jensen, c'est ça. C'est ça. Je joue aussi dans X-Men. Alors, on a Big Boss Man qui est dans les racers et c'est le détenteur du record du monde sur Perfect Dark en agent perfect. Si mes souvenirs sont exacts, c'est pas un petit rigolo. Et on a parmi les 4, alors je sais pas lequel exactement, mais le fameux recordman du monde sur le niveau street, qui est une bataille tous les instants. Je pense qu'on en parlera un peu au moment où ce niveau arrivera. Ce qui pourrait être assez intéressant. Bon là, ils ont l'air d'être bien partis. Ils ont l'air d'être chauds, ils ont l'air de savoir jouer. Ils vont pouvoir pas tarder à commencer, s'il vous plaît. Les mecs s'entraînent sur le niveau train, ouais. C'est un niveau qui demande un peu de précision. Donc oui, j'en ai pas parlé non plus, mais c'est un des premiers FPS console, même quasiment un des vraiment
des premiers FPS originaux. C'est quelques adaptations de Doom un peu bizarres sur SNES par exemple. Mais c'est vraiment un des rares FPS vraiment conçus pour la console, étudié pour une console jeu vidéo, et ça a permis de démocratiser un peu ce genre sur les consoles jeux vidéo, là où avant c'était évidemment réservé au PC, et certaines personnes PC Master Race vous diront que ça l'est toujours un peu. Mais c'est vraiment un jeu qui reste aujourd'hui assez jouable encore, je dirais pas qu'il a assez bien vieilli, parce que graphiquement il reste très simplé, mais c'est un jeu où sur le gameplay n'a pas vraiment vieilli, qui fonctionne toujours très bien. Donc il faut évidemment s'adapter aux trucs de l'époque, par exemple viser, vous forcez à vous arrêter sur place et vous deviez faire bouger le viseur, vous pouviez pas viser tout en bougeant. Ce qui est quelque chose qui a été introduit finalement assez tard dans l'FPS console. C'est pour ça que l'intégralité de la run marchera pas mal sur l'auto-aim, puisqu'il y a une visée automatique dans les Golden Eyes qui est extrêmement pratique. Donc voilà, le viseur se met automatiquement sur les ennemis. Alors souvent il vise le corps de l'ennemi et pas sa tête, ce qui peut être gênant dans les difficultés supérieures. Mais jusque-là, en Agent, ça risque pas de poser masse de problèmes, sauf s'il décide de dire non, on va pas faire une race en Agent, on va faire en Agent Perfect parce qu'on est des vrais bonhommes. Et dans ce cas-là, ça va devenir assez foufou. Sachant que la difficulté modifie à la fois les dégâts que les ennemis vous infligent, leur précision. Vous allez voir, les ennemis vous souvent vous ratez à des distances. Vous pourrez rater des éléphants dans des couloirs avec des précisions dignes des meilleurs Stormtroopers. Il modifie les objectifs à faire. C'est-à-dire, en Perfect Agent, on a plus d'objectifs, c'est toujours de plus en plus compliqué. Alors qu'en Agent, on a souvent un ou deux objectifs par mission, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va être très intéressant à voir. Donc là, ils se tiennent prêts, j'espère. Ils ne mettent pas de cheat. En tout cas, ça va être un run intéressant et plutôt chargé, puisque pour ceux qui connaissent le NAI, ça va. Là, pour le coup, ça va vite. Mais pas spécialement parce qu'ils vont vite dans les niveaux, mais c'est parce que, comme tu disais, les graphismes, mais bien qu'ils ont bien vieilli, ont tendance à augmenter la pression de vitesse, tout simplement. Et puis, comme ils regardent souvent le sol. Oui, il y a certains niveaux, par exemple, les niveaux Surface, où on va avoir que de la neige pendant 1 minute, 1 minute 30. J'espère que vous aimez voir du blanc, parce que vous allez voir du blanc. Sur vos écrans en 4 fois différents, des écrans blancs intégralement, très bizarre. Donc là voilà, ils jouent avec la version, alors ils jouent pas tous avec la même version, il y en a qui ont une version anglaise, certains qui ont une version japonaise, donc ça peut être un beau comparatif de versions. Les différences gagnées sont plutôt négligeables, on va dire, d'une version à l'autre, mais c'est assez intéressant de voir que chacun n'a pas la même version. Alors peut-être qu'il n'y avait pas 4 versions japonaises à disposition, ils sont bien embêtés. Mais normalement, quoi, comme tu dis, ça ne change même rien théoriquement, vu qu'il n'y a pas de texte bloquant dans le jeu, comme dans un RPG ou je ne sais quoi. Et de toute façon, les deux cartouches ont été codées de la même manière. Il y a un petit bug exclusif à la version japonaise où si tu tripotes un peu ta cartouche pendant que tu joues, tu peux avoir des animations très rigolotes de la part d'ennemis, etc. Peut-être qu'ils vont nous montrer après derrière, parce que c'est devenu assez mémétique au Japon, avec même l'usage d'une chanson bien particulière et des vidéos qui fleurissent sur YouTube et Nico Nico Doga, qui sont assez rigolotes à mater. Donc voilà, on a devant nos yeux l'ancêtre de Call of Duty, de Halo, et de plein d'autres choses, même si maintenant c'est assez compliqué de faire le rapprochement, tellement le genre a changé. En tout cas, un sacré temps de setup, bien. Ouais, un sacré temps de setup, et ils prennent leur temps, ils vérifient sans doute chaque passage. C'est assez c'est bizarre. Alors en fait, c'est entre eux, ils commencent à jouer, ils attendent qu'on dise stop, personne n'ose leur dire top, et ils sont bien embêtés. Et puis juste après, on retrouvera Perfect Dark, qui est bâti plus ou moins sur le même moteur, qui a suivi Golden Eyes de 3-4 ans, et qui est beaucoup plus ambitieux. C'est une suite spirituelle, on va dire, puisqu'il ne partage pas vraiment de points communs avec l'univers James Bond, puisqu'on a une héroïne originale, mais ça, on verra ça en temps et en heure tout à l'heure, dans une demi-heure. Ah. Donc là, il répète un peu les mêmes niveaux, il répète Silo, il répète Facility, il répète Jungle, il répète, alors j'ai vu Archive, j'ai vu Cradle, donc il répète certains niveaux importants pour voir si tout marche bien. Peut-être les niveaux les plus tendus. Il faut savoir que donc pour GoldenEye, un jeu extrêmement runné, surtout par niveau, c'est ça qui m'a toujours étonné dans le jeu là, c'est comme il y a un timer à la fin d'un niveau, c'est les niveaux qui sont runnés. Je me rappelle Cosmo notamment qui
tournait pas mal sur le jeu à une époque. Oui, et comme dans Sonic 2 par exemple, ils utilisent le temps de fin des niveaux plutôt que le temps général. Le temps des fins de niveau étant canon, tu peux le voir à n'importe quel moment, il est plus fiable qu'un timer, on va dire, qui lui est actionné par une main humaine. En attendant ce temps de setup, on rappelle que la GDQ est donc en faveur de la Prevent Cancer Foundation, ouais, je le prononce très mal, Prevent Cancer Foundation. Non, de moins plus j'essaie de le répéter, moins ça va, c'est terrible. moi et l'anglais, comme j'ai dit, ça va être terrible. Vous avez entendu ma prononciation du mot Golden Eyes, vous allez encore vous la taper pendant 30 minutes. Mais voilà, c'est la Prevent Cancer Foundation est une association américaine à but international qui agit pour la prévention du cancer, pour la promotion du dépistage, pour l'organisation de nombreux de conférences, etc., d'aide à la recherche au cancer, etc. Donc, l'an dernier, la GDQ avait dépassé le million. Cette année, à l'heure actuelle, là où je vous parle, il y a 687 000 dollars, ce serait bizarre sinon. Et il reste encore tous les Humble Bundle, il reste encore 12 heures, hein, 12, 14, 16 heures. Et on espère que le million sera encore atteint. Et de notre côté, on rappelle que pour certaines runs, type Final Fantasy VII, il y a des enchères pour lesquelles il y a des options françaises en jeu. Hein. Sur Final Fantasy VII, c'est pas mal de noms de personnages. Par exemple, FFT pour Aerys, Mamilani, donc. Pour Barrette, qui est actuellement deuxième, hein, bientôt la gloire. Il y a un défi vraiment à privilégier, c'est Connor pour Red, c'est Red 13, je sais plus qu'on prononce très bien. Pour le nom Connor, effectivement, qui est un hommage au père d'une personne disparue. Donc il est actuellement premier avec 2092 dollars, c'est très petit. Et enfin le nom de Tinef, hein, Dream Boom. Donc c'est le dernier défi à atteindre pour les Français du Restream. Donc n'hésitez pas vraiment à bourrer les dons et à vous tenir prêt pour tout ça. Dans tous les cas, que ce soit qu'on les gagne ou qu'on les perde, à la fin le gagnant c'est le Prevent Cancer Foundation et c'est le plus important. Ouais, ils prennent leur temps pour le setup, bidon. Ils sont plaisir, je crois qu'ils font des petites parties là. Ils font des petits speedruns personnels, personne les arrête. Ou alors ça a commencé, le timer est juste pas lancé et ça serait très bizarre. Hein. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils attendent, parce qu'ils ont tous l'air assez. Ils ont tous l'air prêts. Hein. En réalité, c'est chaque niveau, ils doivent tous tester chaque niveau un par un, mais. C'est un bon plan, tu vas dans un hôtel aux États-Unis comme ça, tranquille, t'as une manette qui traîne, tu prends la console, tu te mets à jouer. Bon, tu te rends pas compte avant un petit moment que t'es devant tout le monde, mais. Le chat essaie de me forcer à parler anglais. Vous êtes méchant. Vous êtes très très naughty. Tout ça. Oh là là. Effectivement, ouais. Là, on me dit par exemple de prononcer les noms des acteurs principaux, genre Pierce Brosnan, genre Sean Bean. Hein, plein d'amusement. Et effectivement, c'est vrai. Je suis un garçon qui n'a pas beaucoup privilégié l'oral en anglais. Et d'après le chrono, Perfect Dark commence dans 10 minutes. Hein, mais je crois pas que ce sera le cas. Ils n'ont pas encore commencé Golden Eyes. Ou alors ils vont nous faire des world records, mais ça m'étonnerait quand même, moins de 10 minutes. Bien que ce soit donc comme tu disais, la difficulté agent. Il n'y a pas la plus complexe. Non, c'est la difficulté agent, normalement c'est ce qui est indiqué sur le schedule, sur le planning. Après il y a eu des setups plus longs dans cet AGDQ, mais... J'ai le souvenir de Batman Arkham City qui avait mis un petit moment quand même avant de se lancer. Mais là les 4 ont l'air de marcher. Alors ça applaudit. Ils avaient planté aussi. Ça se répare. Ah, ils ont l'air de commencer. Ah. Ils sont tous en train de. Voilà. Il y en a un qui a commencé trop tôt. Non ? Ah, ça se répare mutuellement. Oui, il est parti un peu trop tôt dans le niveau, je crois. Ouais, non, il est en train de configurer sa manette. Il ne pouvait pas le faire avant. On the left of your screen, you're seeing from Key West, Florida, with 17 career world records, including the legendary Streets 112, started running in 2008,
Ryan Lockwood. To his left, from Davis, California, starting running the game in 2012, with a mustached man with 14 career world records, Wodis Rekla. Il se présente tous mutuellement. Un petit côté catch, là je commence to à apprécier. Left, one of the most decorated GoldenEye players in all of history, running the game since 2002, with 202 career world records, 97 untieds, from small town Minnesota, Brian the Big Boss Man Bosshart. Voilà, un peu d'auto-congratulation. And on the right of your screen, alors, from il faut savoir Perth, que c'est là je lis dans le chat, donc on a 2 minutes d'écart à peu près, mais non, le don de $2,710 a été vu. Et si vous pouviez voir le chat US, ça ne parle plus que de ça. Ne vous inquiétez pas, ça a été remarqué. We've always wanted to do this sort of race. We've been running this game since 1997. That's when our community started, and really, it's all led up to this here in 2015 in front of you all. I hope you enjoy. Runners get ready. Il précise que la communauté The Elite existe depuis 1997, qu'ils sont fiers et honorés d'être là, puisque c'est un peu comme la consécration de leur année d'existence. Et c'est parti pour la run. Ça se hype dans le public. Et là, on voit directement, ça commence très vite. Hein. Donc on regarde le sol et on rush à la sortie. Dans ce niveau-là, il y a juste deux objectifs, c'est détruire tous les petits boîtiers d'alarme et aller à la sortie le plus rapidement possible. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont détruire les petits boîtiers d'alarme et ils vont aller à la sortie le plus rapidement possible. Certains vont peut-être même ne pas prendre de dégâts du tout. Donc là, normalement, on doit attendre le passage d'un camion, mais rien à faire. Voilà, on passe, on attend son passage et voilà, ça va aussi vite. Alors... Ouais, il suffit de sauter. Big Boss Man a un peu bloqué sur le cadenas, c'était pas un exercice facile. Très beau ciel en attendant. Ouais, très très joli ciel, hein, très bien modélisé. Très belle texture, la meilleure de toutes. Voilà, donc ça joue très peu. Ah non, il n'y a même pas besoin de détruire les boîtiers, autant pour moi, c'est directement sauter. C'est uniquement à partir de la mode agent secret. C'est ça, là, comme c'est une agent spécial. Petit tour aux toilettes. Hein. Le bon vieux niveau des toilettes. Hein. Quand on était gamin, on se souvenait extrêmement bien. Donc là, on récupère une carte. Avec cette carte, on peut aller actionner un boîtier. Avec cela, on fait le tour. Et on peut utiliser la porte qui était juste derrière, qui est actionnée uniquement par ce boîtier. Là, on continue tout droit. Il y a des ennemis, c'est pas grave, on s'en fiche. Là, on va utiliser un petit bug, on va tirer à travers une porte pour attirer l'ennemi qui nous force à ouvrir la porte pour que l'ennemi en question puisse nous faire office de portier. Là, il va utiliser les mines pour se propulser. Et là, ils vont tous, les quatre vont. Oh, même pas. Non, c'est vrai, c'est uniquement en mode 0-0 agent, tout ça vient du boîtier. Dans cette mode, non, il suffit juste de ensuite placer les mines, essayer de faire en sorte que Sean Bean soit pas trop près. Parce que si ce Sean Bean meurt, la mission est perdue, même s'il meurt juste dans la cinématique d'après. Et voilà, bon bah. Déjà, ça va très très vite en haut à gauche. Ça mène pas mal. En haut à gauche, on est déjà au niveau runway. Donc là, runway qui est très très simple, tu prends juste la clé et tu vas jusqu'à l'avion. Donc là, ça va en 20 secondes, ce niveau-là, il est plié en agent. Pas besoin de prendre le tank, pas besoin de détruire les tourelles, etc. On y va directement, on se propulse avec les grenades. On prend des dégâts pour aller plus vite grâce à la déflagration. À ne pas confondre avec l'attaque préférée de Dracofeu. Voilà. On voit donc que Wodas déjà est en avance hein, sur ses adversaires. Ouais, Wodas va très très vite. Suivite Big Boss, suite Luke et enfin Lockwood. Lockwood, ouais. Il y a 2-3 passages un peu de RNG, donc ça va être assez intéressant de voir comment ils vont gérer les escortes, etc. Quand on va commencer à voir l'apparition de la fameuse Natalia. Donc le niveau surface, premier des deux niveaux surface, où on peut le voir, c'est du blanc, hein, c'est Homo Machine, ça lave plus blanc que blanc, c'est même sur les écrans. Et là, il suffit encore une fois d'aller le plus vite possible. Jusqu'à la sortie, mais avant au passage de passer par un boîtier dans un centre de communication pour le détruire ou le désactiver, au choix.
Là, effectivement, ils sont sans un mouchoir de poche, mais on voit déjà un peu l'écart qui est entre les quatre. Ça, c'est passionnant. Moi, je suis bloqué vraiment sur en haut à gauche où il fait vraiment un truc assez exemplaire. Hein. Pour l'instant, oui, pas de souci. C'est vraiment l'aspect vraiment super fascinant des races, n'importe quand, ça peut changer malgré tout. Une fois 4 canas à détruire, ça peut se... tu peux perdre un peu de temps là-dessus. Il y en a qui va au fusil sniper, l'utiliser le KFC soviet, qui devrait aller pourtant plus vite parce que c'est un fusil d'assaut, mais non, ça va aussi vite finalement. Donc là, tout le monde est trop au premier des deux niveaux bunker, où il est encore en construction. Il a plusieurs objectifs déjà, prendre en photo un écran, ensuite récupérer la clé du Golden Eyes, c'est un peu tout. Ensuite il faut juste la copier avec le K-Analyzer, dans un anglais absolument parfait. Et donc c'est deux passages par le menu pause, il faut aller le plus vite possible, espérer ne pas trop se faire prendre par les rafales de fusil d'assaut des soldats qui peuvent te ralentir un peu. Et c'est déjà terminé pour les trois autres, Lockwood encore un peu derrière. Donc là on attaque Silo pour le reste des gens. Silo il faut encore prendre, pas dans cette mission là, non c'est pas dans cette difficulté là, mais habituellement on peut prendre des photos, mais non pas dans cette difficulté là. Là il faut juste prendre des photos du Golden Eye, non oui il faut juste prendre une photo du satellite. Pas des, faut juste poser des bombes à certains moments, mais... Pas dans cette difficulté là. Un peu bloqué par un garde. Mais non, malgré le fait qu'il a été bloqué en haut à gauche, il a quand même maîtrisé. Il reste 13 en avance. C'est une run très difficile parce que tu peux facilement te faire bloquer par un garde et tu peux pas passer à travers. Hein, donc il faut absolument les tuer pour pouvoir passer. Et ça peut être un peu tendu. C'est un niveau avec beaucoup. Enfin, c'est un niveau couloir. Très proche des nouveaux Call of Duty par exemple. Mais. Qui fonctionne. Qui pour les restes en tout cas va très très vite. Donc en haut, ouais. Big Bossman a été dépassé par Omenice. En haut à gauche, ça commence le niveau suivant, hein, ça attend pas. Ah oui, Big Boss Man, il est un peu en galère. Et finalement, il y a des scientifiques dans ce niveau-là qu'il ne faut pas tuer. Donc en haut à gauche, on est déjà au niveau frégate. Il faut sauver des otages et poser un petit télétransmetteur hyper discret sur un hélicoptère. En haut à gauche, on va le voir sous peu. Le fameux tracker bug qui est hyper discret. Hein, les mecs, ils vont décoller, ils vont voir ça. Ils vont quand même décoller, hein, c'est pas grave. C'est gros, ça se voit comme un bouton sur la tête d'un adolescent, mais c'est pas grave. C'est pas de souci. Là, on sauve le dernier otage. Alors. Un peu de RNG ici parce que il va falloir attendre que tous les otages soient libérés avant de pouvoir monter sur le bateau. Et là, évidemment, ça va être absolument terrible. Il faut attendre, espérer aller le plus vite possible. Parce que parfois, les otages peuvent te troller. Et dans ce cas-là, c'est fini. Ah, et en bas à droite, oui, voilà. En haut à gauche, les otages ont mis beaucoup trop de temps, alors qu'en bas à droite, ça attend Surface. Le premier a perdu. Ouais. RNG, les otages ont. Quand il, à la fin, Nelson Montfort l'interviewera, il pourra dire que c'est la faute des otages de frégate. C'est absolument terrible. Alors, bah là, dans ce cas-là, Surface 2, donc un peu comme le premier, toujours de la neige, cette fois-ci il est un peu rouge, parce qu'on est de nuit. Ça reste la même rengaine. On va essayer le plus vite possible, on va regarder le sol pour que l'affichage aille plus vite, pour pas être ralenti par des ralentissements du jeu, tout simplement. On utilise les boutons latéraux pour aller le plus vite possible, et ça va être, encore une fois, on retourne dans le même bâtiment assez sombre. Bon, mal placé. Non, c'est bon, pas de soucis. Non, c'est prévu, autant pour moi. Là, il faut détruire le télétransmetteur au lieu de juste le désactiver dans la mission précédente. Et en bas à droite, on commence déjà Bunker 2. C'est Lucas Clark qui est maintenant devant, avec Ryan Lockwood juste derrière. Donc là, on se libère de la prison avec l'aimant de sa montre. Comme ça, on récupère la clé qui est juste en face. Et si on a le temps pour récupérer des couteaux, on le fait, mais ça ne sert pas à grand chose dans cette run.
Récupère le KF7 que sur le chat on appelle déjà le KFC. C'est... Effectivement, on ne pouvait pas faire la blague en 97 parce qu'on n'avait pas de restaurant KFC en France, surtout en province. Peut-être, dans... Peut-être les nantis parisiens en avaient, mais nous en province on ne connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était des fast-food à base de poulet. Encore une fois, ça va très très vite. Hein. Il suffit maintenant de se diriger vers la sortie de manière rapide et efficace. Il faut prendre la cassette qui contient toutes les, tous les passages de sécurité. Et en haut à gauche, il a déjà récupéré, il a déjà repris la troisième place à Big Boss Man. Et là, on arrive à Statue, dans ce bon vieux parc ex-soviétique, avec toutes ces statues, tous ces emblèmes abandonnés dans ce parc sombre et mystérieux. Ouais. Statue, deuxième endroit, il devrait RNG, puisqu'il va falloir qu'il récupère des paquets. Un seul paquet, même une boîte noire en l'occurrence, qui peut spawner en fait à 5 ou 6 endroits différents. Et il faut espérer se tomber sur le plus proche. Donc là, ils vont prendre Valentin, ils vont le traîner un peu pour pouvoir. Tu peux traîner un peu le PNJ, si tu vas un peu trop loin, il va faire la gueule et il va t'annuler la mission. Parce que c'est des gens très susceptibles, les gens de la mafia. Donc si on s'en va un peu, ils le prennent mal évidemment. Alors là, je ferai pareil. Donc là, on les traîne un peu, comme ça, on gagne un peu de temps et on peut aller directement au rendez-vous avec Alec Trevelyan ou Sean Bean, parce que j'aime bien l'appeler Sean Bean finalement, maintenant qu'il est devenu un acteur super connu grâce à ses rôles fantastiques dans Silent Hill et dans la Game of Thrones, le Trône de Fer. Le jeu des trônes, comme on dit au Québec. Enfin voilà, ça va. Enfin, ce rendez-vous, t'es désarmé normalement. Puis une fois que la rencontre se fait, tu peux aller le plus vite possible. Sachant que les ennemis, là, à partir de ce moment-là, sont armés de fusils à pompe. Tranquille, pépère. Donc, il faut évidemment éviter de se trouver trop près de ces armes un peu destructrices. Même en des jeunes, ils font un peu mal ces fusils. And if you compare decimal points on there and alors c'est le seul endroit où finalement théoriquement la cartouche japonaise a légèrement de l'avance vu que les triggers sont basés sur le texte. Ouais. Et... Donc il va gagner pas mal de temps. Donc voilà, ouais, Big Boss Man a gagné un peu de temps à ce niveau-là. Le RNG en bas à gauche et en bas à droite est pas bon. Il ne trouve pas retrouver la boîte noire. Hein. Là ils sont en train de chercher leur boîte noire chacun de leur côté. Je scrute voir s'il y en a qui arrive à trouver au meilleur endroit. En bas à droite, c'est bon. Ouais. Luc, la boîte noire. C'est. Là, il faut scruter les cartes. Ah non, autant pour moi, il vient d'avoir la boîte noire. Hop, la boîte noire, pile-poil au bon endroit en bas à droite. Il est arrivé au bon endroit, donc là, il a vraiment eu de la chance. Ouais, Luc a vraiment une bonne chance, effectivement, il est tombé au meilleur endroit. Donc là, l'hélicoptère il explose. Voilà, ah, encore une fois un bon RNG en haut à droite. Bon RNG en haut à gauche. Mmh, pas mauvais non plus en haut bas à droite. Finalement, ils l'ont tous eu. Et on est déjà dans le niveau suivant pour lui. Une belle en la tête à Natalia au passage. C'est là. Le temps qu'elle meurt, la mission est déjà validée donc ça passe. On peut se venger. De la pauvre Natalia. Donc là, ce niveau-là, il va très rapidement. Il suffit de parcourir le niveau, d'aller ouvrir la porte des mecs qui retiennent Natalia. Ce qui est pas dur, hein, parce que t'as juste ouvert la porte, elle s'en sort, et tu fais casser une fenêtre pour s'en sortir, et on est déjà au niveau suivant. Archive va très très vite. On arrive au niveau Streets, alors qui est le fameux niveau où tous les speedrunners se battent dessus. Parce que il y a eu un record qui est tombé cette année, vraiment à la frame près. C'est un niveau où tu te bats vraiment. Comme j'ai dit, vraiment à la frame près, il n'y a pas de choix. C'est un niveau assez emblématique puisque normalement Street se fait dans un tank et que là donc ça va plus vite en courant, en regardant le sol. C'est un des niveaux préférés souvent des gens qui speedrun. Ouais, ça se joue à la frame près, d'autant que certains ennemis sont armés de lance-roquettes et peuvent t'aider à te propulser. Si une roquette tombe au bon endroit, tu peux aller un peu plus vite et gagner un temps assez précieux sur les autres. Là on voit les quatre regarder le sol de ces rues de Saint-Pétersbourg de manière assez passionnée, mais c'est juste pour le speedrun, c'est pas parce qu'ils aiment ça. Voilà, il y en a deux ou trois qui ont été touchés par des déflagrations de roquettes qui les ont fait gagner un peu de temps, par exemple en haut à gauche et en haut à droite. Alors ce qu'il explique sur le stream US, c'est qu'on peut tuer éventuellement un garde qui a un lance-roquette pour pouvoir s'auto damage booster. C'est ce qu'il fait en bas à droite. Il a gagné un peu de temps grâce à ça. On va voir si à la fin qui finira le niveau le premier. Ouais, il y a pas mal d'armure en plus sur le chemin, ce qui est peut-être pas mal parce que quand tu te prends un dégât, c'est automatiquement l'armure, quel que soit le dégât. C'est toujours l'armure qui prendra en priorité sur le reste.
Donc voilà, en haut à gauche c'est terminé, tout à droite c'est terminé, excusez-moi, je confonds la gauche et la droite, c'est absolument terrifiant. Tout le monde a terminé dans une, on va 5-6 secondes près, c'est pas mal, c'est serré. Donc la dépôt qui va très très vite en agent, t'as pas besoin d'explorer les différents entrepôts, tu vas directement au train et c'est réglé. Ça, celui-là, ce niveau-là, il se fait extrêmement rapidement une nouvelle fois, c'est l'affaire de 30 secondes. Tu clignes des yeux, tu le vois pas. Hop, tu le vois, puis tu le vois plus, comme on dit. Donc hop, on attaque Train en bas à droite, du côté de Luke. Donc le truc que je retiens, que je dis encore plus mal que les noms anglais, c'est les noms de famille et les pseudos anglais. Donc je vais essayer d'éviter, quoi. Pour savoir que lui, justement, me semble a le record sur ce niveau. Ouais, c'est une simulation exacte, je peux te confirmer de tête, mon Mammopédia, qui n'est pas toujours très mise à jour. Donc là, le niveau train, il est évidemment comme c'est un train, tu vas tout droit, le but du jeu est de détruire 5 ou 6 petits boîtiers avec son laser. On va utiliser le laser pendant tout le reste du jeu, pendant tout le niveau, ce qui est extrêmement pratique. Parce que James Bond, il a son laser dans sa montre, c'est repris du film d'ailleurs, ce qui est assez fantastique. Là, Natalia est prise en otage, on va la libérer, on va essayer peut-être de toucher un peu Xenia derrière. Comme ça nous fait gagner un peu de temps. Mais c'est surtout pratique en 0-0 agent, donc en agent ça n'a pas forcément énormément d'intérêt. Donc là on détruit la dalle, mais il faut attendre que Natalia finisse de hacker le PC de Boris. Boris, le hacker invincible qui est du côté des méchants avec sa petite chemise hawaïenne. Oh non, il sort directement en fait, t'as même pas besoin d'attendre. Pas parfait, c'est dans une moindre difficulté supérieure. Ouais. Ouais, je connais par cœur en 0-0 Agent, mais c'est vrai qu'en Agent, j'ai une petite confusion. C'est vrai qu'en plus, on voit rarement finalement Big Boss Man, par exemple, n'a pas de record du monde sur. N'a pas de record personnel sur le jeu en Agent. Il a des records individuels, des records niveau par niveau. Il a un record assez emblématique en Perfect Agent, en 0-0 Agent, je comprends déjà les jeux, et c'est fait, et perdu beaucoup de temps, Ryan Lockwood en haut à droite, il s'est fait toucher pendant qu'il était en train de se détruire la trappe, et ça lui a fait perdre pas mal de temps, ce qui est assez dommage. Quand on est dans la jungle, un trépied de jungle, c'est un niveau là encore une fois, qui malgré son nom est pas assez peu ouvert finalement, parce qu'on voit, on a des sortes de murs, sur les côtés, donc c'est un niveau très couloir mine de rien. Ici il faut détruire les différentes tourelles et on va devoir affronter Xenia sur un pont à un moment bien précis qui va pas être trop dur, c'est un boss mais elle va pas être si dur que ça finalement puisque quelques coups suffisent. Elle est armée de la fameuse RCP 90 et d'un lance-grenade, donc elle rigole pas. La RCP qui est la meilleure mitraille du jeu et lance-grenade, qui est un lance-grenade, donc ça fait mal si tu fais toucher un peu. Là, ils vont tous utiliser ce combo lance-grenade RCP. C'est une seule fois dans le jeu où on peut avoir un combo de manière naturelle, un combo entre deux armes différentes. Donc là, on détruit la tourelle, hop, comme ça c'est réglé, et on va à l'ascenseur qui nous emmène directement au niveau suivant. Et où est déjà d'ailleurs Luke en bas à droite, qui est le niveau contrôle, qui est un fameux niveau où on va avoir une longue escorte de Natalia à un moment bien précis. Ou c'est le moment où on peut se reposer un peu, une petite escorte en vague de 1 minute, 2 minutes. Donc voilà, encore une fois, c'est là pour l'instant, on vide un peu le rez-de-chaussée, donc tout le monde est en train de vider un peu le rez-de-chaussée pour que Natalia Deng sorte en ascenseur, parce que c'est une jeune fille un peu précieuse, elle ne sort pas tant qu'il n'y a pas d'ennemis dans le coin. Pour le niveau de l'angoisse, hein. Celui où tout se joue. C'est ça. Pour exagérer un peu, parce qu'en agent, ça reste quand même assez simple. Là, faut attendre qu'elle ouvre la porte, ça y est, c'est ouvert en bas à droite. Ils peuvent avancer. Donc là, on pose des mines de manière intelligente sur les vitres. On passe à travers et gagner du temps. Hop, donc là voilà, Natalia est de l'autre côté de cette porte qu'on ouvre. Un des objectifs également est de détruire des serveurs, donc les mines servent surtout à ça initialement. Si on file des mines, c'est pour que tu puisses détruire les serveurs avec. Mais lui va servir des mines pour tout détruire. Là, ils détruisent des vitres, ils détruisent un peu tout l'équipement pour faciliter un peu l'affichage. Donc là, on a des ennemis qui descendent des escaliers, qui parfois visent Natalia, parfois te visent. Évidemment, on a jeunes. On n'a pas trop peur, mine de rien, pour Natalia, que ce soit pour Natalia ou pour nous. On attend un peu. C'est assez long, c'est pas forcément extraordinairement excitant, surtout en agent.
où le défi est pas très relevé. Soyons honnêtes. Mais c'est, non, le plus gros danger finalement c'est les balles perdues dans ce niveau, mais comme on est en agent, l'IA est encore plus bête que d'habitude, on va dire. Ouais, on pourrait faire une race en 0-0 agent, mais c'est beaucoup plus risqué parce que c'est beaucoup plus dur. C'est vraiment un jeu très difficile à speedrunner en single segment. Et les rares records, en fait, c'est tous les jeux qui, c'est tous les gens qui arrivent à terminer en deathless. C'est pas si facile que ça, surtout dans ces niveaux comme Control ou comme on va le voir plus tard, Aztec, qui sont des niveaux extrêmement difficiles, pour pas dire extrêmement sadiques, hein, où ils ont pensé vraiment à tous les petits détails qui peuvent emmerder le joueur, et ils ont pas hésité à les mettre. Hein, et on les remercie pour ça. Là, les quatre sont dans les scorts, hein, les quatre attendent tranquillement que Natalia finisse de hacker. Natalia qui en plus vous vanne pendant le hacking. Hein, c'est-à-dire que vous dites des trucs genre est-ce que vous pouvez être un peu plus silencieux, hein, parce que je m'entends pas parler. Merci Natalia, hein, désolé de te sauver la vie, excuse me princess, tout ça c'est absolument c'est terrifiant, ces hackers qui ne vous respectent plus alors que vous assurez leur protection, c'est terrible. Ça dure vraiment une minute, deux minutes. Ça. Les speedrunners détestent ce passage, hein, découvrir son secret, il est juste relou. Tout le monde a essayé, comme ils le disent sur le chat, comme ils le disent dans les commentaires US, là, tout le monde a essayé de trouver le moyen de skipper ça. Personne n'a réussi, ils ont vraiment mis tous les moyens. S'ils avaient pu avoir des millions de dollars, le FBI et le CIA sur le coup, ils l'auraient fait, mais non, impossible. Hein, c'est impossible de skipper ce passage, on peut pas. C'est vraiment. C'est complété du côté de Luke. En bas à droite. Et une fois que c'est complété, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte qu'elle rentre vivante. Parce qu'elle peut encore se faire toucher sur la sortie. On détruit le dernier serveur et on se dirige vers la sortie. Un des serveurs qui est d'ailleurs placé à côté d'une mitrailleuse automatique, hein, histoire d'être bien sympa. Il n'y a plus qu'un point de vie en bas à droite. C'est assez risqué ce qui se passe. Ça y est, c'est terminé en bas à droite pour Luke. Applaudissements mérités. Ascenseur une nouvelle fois en haut à droite. Ah, il est un peu bloqué. Ah non, il attend que Natalia s'en aille. Oui, effectivement, comme les otages, il attend que Natalia s'en aille. Et Big Boss Man et Weda ont terminé au même moment. Ils sont coude à coude. Alors que Luke a commencé Caverns de son côté. Et pendant que Ryan, qui était premier très large au début de la run, qui s'est fait avoir par l'otage de Frégate, a pris un retard assez difficile à rattraper. Honnêtement, je ne mettrai pas un copec sur lui, mais tout peut arriver. Donc Caverns qui a un niveau encore une fois très simple en agent, il suffit d'aller tout droit, d'atteindre la sortie le plus rapidement possible. Alors c'est assez sombre comme niveau, surtout en bas à droite on voit absolument rien. Luke a son nez, sa capture absolument, c'est ténébreux. Alors que de l'autre côté, côté gauche, on voit bien mieux les écrans. Mais c'est vraiment un niveau où tu rushes à la sortie. En 0-0 Agent, c'est un des niveaux les plus compliqués, surtout qu'il y a un moment où c'est un de ces niveaux où on doit absolument tuer zéro scientifique. Enfin, on peut en tuer deux ou trois, mais il faut éviter, quoi. Et surtout, il y a un endroit où ils ont placé une radio, des scientifiques, des gardes, des bidons d'huile explosive. Si un bidon explose, tout meurt. C'est absolument terrible. Voilà, donc là, Cradle, dernier niveau pour Luke. Enfin, dernier niveau officiel. Donc, je ne sais pas s'ils font Aztec et Egyptian, on va voir. À mon avis, non, parce que c'est une run agent. Et donc, Aztec et Egyptian ne seront pas débloqués. Donc, ça va se terminer à la fin de ce niveau pour Luke. Niveau qui va extrêmement vite et où on peut utiliser un bug pour aller encore plus vite. Big Boss Man a pris de l'avance sur Caverns, il a pris de l'avance sur Wadom, c'est concrétise un peu sa seconde place. Dans ce niveau, ne devrait pas trop faire appel au RNG, normalement, on va voir, mais ses avances ne devraient pas changer énormément. Donc là, voilà, il faut détruire cette console, poursuivre Sean Bean, toujours là. Là, on va le forcer à aller plus vite. En 0-0 Agent, on peut le placer à un endroit bien précis. Juste avant d'entrer dans la cabane, et avec Trevelyan, Sean Bean va lancer une grenade sur lui-même et se tuer. Donc là, on va le rejoindre dans le lieu du combat final. Et Luke s'est loupé. Il s'est loupé, Luke. Voilà, pas parfait, ça ne changera pas sa première place. Attention. Time pour Luke, 23 minutes 8 secondes. Time. No.
Time pour Odam, 23-14, Bibosman 23-14, Omar 23-15. Alright. Et Ryan Lockwood qui effectivement a payé l'otage de Fregat. Non, c'était Wodams qui avait pris l'otage, effectivement. Donc, tant pour moi, je confonds les deux personnages. Mais non, c'était Wodams qui avait l'otage et qui a quand même fini deuxième. Alors que Ryan, Ryan termine derrière avec 23 minutes et 39 secondes, bah, 45 secondes. D'autant qu'il a l'animation de Trevelyan qui dure le plus longtemps, l'animation de mort, ce qui est très sympa. 23-45. Ouais, 23-45 pour Ryan Lockwood. Alors pour le World Record, j'ai un temps, mais il date de 2013, donc je suis pas sûr. Il y a 21-42 pour l'agent, ok. Pour le niveau agent, en difficulté. En 0-0 agent, tu montes à un petit 42 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc on voit la différence entre différentes difficultés, et là on va pas tarder à déjà s'installer pour Perfect Dark. Mais voilà, c'est une run vraiment très rapide. Thank you, Ryugen, for your $50 donation. Awesome event by awesome people. Et donc gagné par Rujva, j'essaie de décorcher son nom comme un gros grand brutal, mais Wedans hein, qui l'a bien emporté. Got another $100 donation from Topo Gijo. Thanks for an awesome marathon. Save the animals. Je vais bientôt céder ma place à Greenunay. We have a $25 donation from Lucky One. Dès qu'il arrive. Et vous pourrez me retrouver juste après. Tu es là pour Halo. Halo 2. Halo 2, Romy. Ok, Romy, ouais, qui est là. Ah, il fait pas Perfect Dark, même. Non, il y a quelqu'un d'autre. C'est Grenouille, ouais. Donc Romy te fait un coucou en disant tout à l'heure, même. Eh bien, tout à l'heure. And their lovely French community. Oui, comme dit Biff, il va y avoir une coupure. Donc voilà, c'était GoldenEyes. Donc là, le temps du setup, on va attendre tranquillement que Perfect Dark s'installe. Perfect Dark, sous version 64, je pense, avec son XBLA, est un peu à part, c'est pas les mêmes bugs, c'est pas les mêmes choses. Et Perfect Dark sera lui aussi en engine, donc ça sera une. Donc là où. D'accord, donc on va couper le stream parce que là c'est vrai qu'on a 2 minutes de retard sur le stream US. On va le couper quelques minutes et à tout à l'heure pour Perfect Dark. Ouais, des bisous tout le monde. Bisous. Oh wow, these are just such weird names.